Dans ce nouveau tuto, aujourd'hui on va confectionner la besace tropico. Pour confectionner cette besace, vous aurez besoin des 4 patrons. Ils sont au format PDF et je vous mets le lien de téléchargement dans le descriptif. Le corps du sac est à couper 4 fois. Deux fois dans le tissu extérieur et deux fois dans le tissu doublure. Ici, c'est au pli et il faut rajouter 1 cm de valeur de couture. Il faut couper également deux fois le thermocollant sans ajouter de valeur de couture. La partie dessous du rabat est à couper en un seul morceau. Ici, c'est au pli et on rajoute 1 cm de valeur de couture. On coupe une fois le rabat dans le thermocollant sans ajouter de valeur de couture. On va ensuite diviser le patron en deux en coupant sur la ligne. Et on coupe la partie dessus du rabat qui est en 3 morceaux, en ajoutant à chaque fois 1 cm de valeur de couture. La bande de contour est à couper deux fois, une fois dans le tissu extérieur. Une fois dans le tissu doublure, ici c'est au pli et il faut rajouter 1 cm de valeur de couture tout autour. Et il faut couper une fois le thermocollant sans ajouter de valeur de couture. Pour la poche intérieure, il vous faudra un morceau de 26 cm sur 33. Deux carrés de 8 cm de côté et deux morceaux de thermocollant de 2 cm sur 8. Pour la sangle, vous aurez besoin de deux bandes d'1,35 m. L'une de 5 cm et l'autre de 7. Et une bande de thermocollant de même longueur sur 2,5. Deux boucles rectangles et une boucle de réglage de 38 mm. Et un bouton aimanté. On commence par assembler les 3 parties du rabat. On place endroit contre endroit et on pique sur la hauteur. Une fois piqué, on ouvre les coutures et on va faire une surpiqûre de chaque côté. On pose le thermocollant sur la partie dessous du rabat. Je reprends mon patron, je mets un petit bout de scotch et on va marquer l'emplacement du bouton aimanté. On place le disque et on marque les repères. On perce ensuite au niveau des repères. Côté tissu, on passe le bouton. On place le disque et on rabat les languettes. On place maintenant les deux parties du rabat endroit contre endroit et on va assembler le tour. Et avant de retourner, on va dégarnir un peu. Et on retourne. On donne un petit coup de fer et on fait une surpiqûre. On reprend les deux bandes qui vont former la sangle. On les place endroit contre endroit et on va piquer sur toute la longueur d'un seul côté. On ouvre ensuite la couture. On fait ensuite un repli d'1 cm de chaque côté. On glisse la bande de thermocollant sous le repli de la bande la plus large. On replie et on va piquer sur toute la longueur de chaque côté. On passe ensuite la sangle dans la boucle de réglage. On fait un premier repli, un second repli et il faut piquer ici. On reprend les deux carrés de 8 cm, les morceaux de thermocollant et on va préparer les pattes.
On fait un repli d'un centimètre de chaque côté. On replie en deux. On y glisse le thermocollant. On replie en deux et on pique de chaque côté. Et on les glisse dans les boucles rectangles. On reprend le morceau de 26 cm sur 33 et on le plie en deux. On va ensuite le placer sur la partie dos doublure. On pique tout autour à 3 mm du bord ainsi qu'au milieu pour séparer la poche en deux. On recoupe les arrondis. On pose maintenant le thermocollant sur les parties dos et devant extérieures. On garde la partie devant, on reprend le patron et on va poser la deuxième partie du bouton aimanté. On marque le repère. On place le disque qui est au dos du bouton. On marque les repères. On perce. On passe le bouton sur l'endroit. On place le disque et on rabat les languettes. Il faut maintenant poser le thermocollant sur la bande de contour extérieure. On reprend la partie devant, la partie dos et on va assembler le corps du sac, la partie extérieure. On plie la bande de contour pour avoir le milieu et on place des épingles. On fait la même chose avec les parties dos et devant et on place des épingles. On place ensuite la bande de contour contre la partie devant et on fait correspondre les épingles. On épingle ensuite en haut de chaque côté. On ajuste en bas et de chaque côté jusqu'aux arrondis et ensuite il faut cranter pour ajuster. Et on va maintenant piquer tout autour en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. On assemble maintenant l'autre côté de la bande de contour avec la partie dos. On reprend toutes les parties doublure et on va assembler de la même manière que la partie extérieure. Du sac, la partie extérieure, les pattes qu'on a préparées et le rabat. On épingle les pattes de chaque côté. On épingle ensuite le rabat au niveau du dos, dessus du rabat, contre le dos. Et on va faire une piqûre à 3 mm du bord au niveau du rabat et des pattes pour pouvoir travailler ensuite sans les épingles. On glisse maintenant les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. La poche qui est dans la doublure doit donner contre le dos. On ajuste bien, on épingle tout le tour
et on va assembler le tour en laissant une ouverture de 8 cm sur le devant et il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Et une fois assemblé, on retourne. On va refermer l'ouverture qui est sur le devant en faisant une surpiqûre tout autour. Pour finir, on va placer la sangle. On passe la sangle dans une boucle rectangle de l'intérieur vers l'extérieur. On passe ensuite dans la boucle de réglage. Et on passe dans l'autre boucle rectangle de l'extérieur vers l'intérieur. On fait un premier repli, un second repli et on pique ici. Une fois cette dernière piqûre faite, votre sac est terminé. À vos machines!